A chica. ¡Hola! Et moi donc ce que j'espère c'est rencontrer un putain de médecin pour pouvoir me soigner un peu la gueule. Parce que c'est un peu casse-couille. Vas-y. Ouais donc cette quête je peux pas la continuer pour l'instant. Tant que j'aurai pas d'engrenage. Ouais j'avais assez mais j'ai utilisé pour la tourelle et on peut pas la récupérer ensuite. On avait un marché, Trudy. Envoie la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas notre faute s'il est devenu accro. Me force pas à entrer là-dedans et bousiller ton petit magasin de merde. Oh là là, on se calme. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Arrêtez de m'agiter ce flingue sous le nez. Sinon, je vous assure que ça va me regarder très directement. C'est bon, pas la peine de s'énerver. On va baisser nos armes. Mais vous, pas de coup fourré, hein. Bon. Maintenant, donnez-moi tout votre argent. Allez. On se calme, d'accord? Tenez, voilà tout ce que j'ai. Voilà, bon. J'en ai vraiment ras-le-cul de ce monde de merde. Eh, hey, on a tous nos problèmes, hein. Moi, je veux juste récupérer ce qu'on me doit. Ça vous dirait pas de nous aider? Vous pourriez... Ouais, après t'avoir inquiété, je veux bien. Essayez de convaincre Trudy de me payer. Le mec, il redemande de l'argent, hein. Si je vous aide, j'espère que vous me paierez. J'aimerais bien, mais vous m'avez pris tout mon fric. On trouvera quelque chose quand ce sera terminé. C'est qui Trudy? Vous voyez le resto juste là? Il appartient à Trudy. Elle en a fait un petit magasin. Je lui vends des drogues et elle me paie en capsules et en pièces dont j'ai besoin. Quand Patrick, son fils, a eu 18 ans, et je lui ai peut-être vendu un peu de jet. Et puis encore. Et puis beaucoup plus. Maintenant, il me doit du fric. Du jet? C'est quoi? C'est ce qui se vend le mieux. Ça vous fait triper comme jamais. Mes clients jurent que ça les rend plus rapides aussi. Toujours en prendre un peu avant un combat. Patrick voulait sans doute sortir des jupons de sa mère et jouer les durs. C'est pour ça qu'il en a acheté. Et une fois qu'on a commencé, pourquoi s'arrêter? J'ai vendu un paquet de jets à ce gamin. Et je crois qu'il est grand temps qu'il me paye, comme convenu. Si cette famille vous doit de l'argent, il faut qu'elle vous rembourse. Exactement. Enfin, quelqu'un qui comprend. Alors, vous allez nous aider? Je vais lui parler. On peut peut-être arranger ça. Merci. Si ça tourne au vinaigre, on vous soutiendra. Bon, bah, on a une petite quête. Ah, bah, ça c'est bien, enfin de la vie, putain. Je vous conseille de ne pas m'énerver. Pardon. Vous voulez ma photo? Oui. Le mec. Oui. Bonjour Trudy. Alors salut, plus gros jamais au jet. Plus jamais. Il faut qu'il paye. Salut. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. Point. Écoutez, vous lui devez de l'argent. Contentez-vous de le payer pour qu'on n'en parle plus, sinon ça pourrait mal se finir. D'accord, je le paierai. Mais cet enfoiré ne vendra plus une seule dose de jet à mon fils. T'entends ça, Wolfgang? Tu l'auras, ton foutu pognon. Mais que je te reprenne plus à vendre de la drogue à mon fils. Ça marche, Trudy. De toute façon, ton gamin, il a pas un rond. Bien, c'est réglé. Si vous voulez acheter quelque chose, allez au comptoir. On a notre fric et on n'a pas tiré une seule balle. Joli travail. Tenez, c'est pour vous. Un marchand! Enfin, c'est tellement rare. Qu'est-ce que vous vendez comme drogue? Tout ce que j'arrive à me procurer. Oh, oh, putain, mais qu'est-ce qu'il ça nous fait lui? Un bon coup de fouet quand on en a besoin. Comme pour taper sur quelqu'un, par exemple. N'estime pas que c'est de l'or en barre. Tout le monde se fait mal et en a besoin pour se soigner. Et bien sûr, ah, ça pourrait être utile. Du rat de bois sur moi. Choisissez n'importe quoi. Essayez.
C'est le meilleur moyen de connaître un produit. Wolfgang von Strucker. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. N'oubliez pas, à consommer avec modération. Alors putain, moi je vais vendre enfin des trucs, parce que moi j'ai plein mal de choses à vendre. Lance-fusée. Ouais, c'est de la merde quand même, hein, moi je trouve. Je vais vendre tout ce qui me sert à rien. 38, ok. Je vais vendre ça. Il a combien lui? Oh, il en a pas beaucoup. Alors, Cape 38. Millimètre 38. Et moi je vais lui acheter des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a du steampack? Alors. Non, faut peut-être pas déconner. Je vais déjà lui en acheter un pour pouvoir me réduire ce que j'ai. Voilà, mes armes, mes tenues. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Ouais, vas-y. Voilà. Casque de sécurité. Ouais, je vends plein de trucs qui me servent à rien. Bon, bric-à-brac. Alors les divers qui servent à rien. Bolide en furie. Grognac le barbare. Valeur. Fond de métro. Ça. Alors mes armes, j'ai toujours rien d'autre. Alors armes. Il n'y a rien d'autre. À ça aussi. Ouais, le Fatman non. En 45, j'ai quoi? C'est ça. Ouais. Ouais, vas-y. Vous faites le ramassage des ordures maintenant? Quoi? Vous avez besoin de moi, ma... Ouais, ouais, je... Alors, je voudrais ça. Est-ce que je vais le revendre? Madame? Bonjour, Michel. Pardon. Merci de nous avoir aidés dans cette affaire. Vous avez fait du bon boulot. Et maintenant, parlons affaires. D'accord. Okay. Voyons ça. N'oubliez pas... À calapapate. Oh, je vends ça, je m'en fous. Alors, vas-y. Alors, armes. Feu de billard. Mitraillette. De toute façon, c'est la meilleure à 38, c'est la 14 pour le moment. Pour moi. Précision moins. J'aime bien, c'est celle qui est le plus cher, qui est le plus pourri pour moi. Donc, je peux vendre. Voilà. Voilà. Mousquet laser. On va peut-être garder ça, on va voir. Et 45. En 45, on a 33. Il y en a l'autre. Ok. Ensuite, ouais. Alors, vas-y, attends, je vais utiliser le Radaway.
Alors, attends, c'est par là. Est-ce que vous voulez que je rebascule sur l'autre radio avec l'autre qui est pourri et tout, voilà. Bonne question. Bon, moi, je sais que j'ai un mec ici. Ça peut être sympa. Voilà, putain, enfin. Hey, vous voulez ma photo? Oui. Le magasin est ouvert, avec une caisse plus légère grâce à vous. Et si vous achetiez quelque chose pour que tout le monde y retrouve? Ça ira maintenant? Oui, ça va prendre un moment pour sevrer Patrick. Mais on y arrivera, on s'en sort toujours. Bien, parlons affaires. Il vous faut quelque chose pour la route? Voyons ce que vous avez. Que de la récup, mais de qualité. Soin, ok. Des steam packs, ah c'est un peu moins cher j'ai l'impression, je sais pas. Faut voir. J'ai acheté un Radaway et c'est et les trois steam packs. Voilà. On a fait affaire. Ouais, j'ai envie trop de la voler mais on va éviter quand même. Non, je vais pas me soigner pour l'instant. Je pense que je vais peut-être dormir. Vous êtes en quelque part. Tiens, là-bas, il y a quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Bonjour. Bonjour. Medix, scotch, ok. Alors, oh tiens, il y a l'air d'avoir une zone là-bas. Ok, des ghouls. Oui, mais des ghouls sympas. Peut-être pas. Pam! Ah, je pensais que ça allait buter. Bonjour, voilà. En arme. Bon, on va tester ce pistolet lance-fusée de merde. C'est de la merde, ok. Je sais pas pourquoi je le garde. Bon bref. Ah j'ai des munitions pour ça. Ah pour la carabine de combat aussi. J'ai combien en place? Ah ça va, j'en ai beaucoup plus en place. Alors peut-être que dans cet endroit on va pouvoir se reposer un peu. Ok, capsule dans le taupe. Allez, vas-y, on va dormir. On va dormir 10 heures. Parce qu'on est comme ça, on dort 10 heures. Hein. Je vois pas où est le problème. Parce que là, on va passer une bonne nuit. C'est quand même bien avec un peu moins de radiation là. Hey, on va aller là-bas maintenant, les amis. Ouais. C'est comme ça que je vous appelle mes amis. Même si on se connaît pas. C'est vrai que j'oublie que je peux courir. D'ailleurs, je cours quand même comme une gazelle. Il ne suit plus le robot ou... Il fait la gueule, c'est ça? J'ai fait trop d'actes qui lui plaisaient pas. Je crois parce qu'il me suit pas. On va aller ici. Parce qu'a priori il y a des trucs. Parfait. J'avais envie d'en découvrir. Une rabiche. C'est quoi ce truc? C'est une biche qui est rabbin? C'est la rabiche. C'est vrai que je dois. Ah oui, c'est vrai que je dois passer de niveau aussi. Bon comme j'ai Ah c'est un racer, ok. Ah mais ok, c'est une. La version petite. Ouais, la biche, sa version femelle. Bonjour, toi.
Bonjour. Vous êtes gentil, hein? Ok, enfin un mec gentil. Allez, salut. Arrêtez-vous là. On est des gens paisibles et on veut pas d'ennuis. Moi non plus. Je ne fais que passer. Ouais. Mais attention, on est armé, alors pas de coups fourrés. Croyez-moi, l'agriculture, c'est pas de tourpeau. Dans les champs, tous les jours, du matin au soir. Sans compter qu'il faut constamment avoir des yeux derrière la tête. Littéralement ? Qu'est-ce que vous cultivez ? Jusqu'ici, surtout des pommates. Mais on va se mettre au melon. Black c'est des tomates, c'est la mais à la pommate. Cette ferme existe depuis longtemps ? Plusieurs générations, je dirais. Mon père et son père avant lui, au moins. Et vous ? Ça vous dit rien de travailler la terre ? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une ferme ? Mon père vous aurait parlé de ces trois T. Terre, travail, tendresse. Il et faut moi je veux vous parler des trois Q. Journée à Trémissou et il faut aimer ça. Ceux qui n'aiment pas ça ne font pas de vieux os. Un petit conseil. Si vous montez une ferme, attendez-vous à castration. Avoir pourquoi se crever toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein ? Vous avez pensé aux miliciens ? Si vous vous engagez, on pourra s'entraider contre les pillards. Ah bon ? Je croyais que les miliciens avaient tous disparu. La dernière fois que les pillards nous ont attaqués, ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, elle est enterrée derrière la maison. Elle avait que 21 ans, et ils l'ont abattue sans se poser de questions. Vous comprenez pourquoi je suis content d'apprendre que les miliciens sont de retour, même si c'est trop tard pour ma Marie. On est là maintenant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? J'ai pas grand-chose à offrir, mais... Les pillards qui ont tué Marie lui ont pris son médaillon. Il est dans la famille de Connie depuis des générations. Oh bah, je vais buter des pillards, je fais que ça depuis... Si vous pouviez nous le rapporter. Depuis le début du jeu. Vous savez d'où ils viennent ? Oui, je crois. L'un d'eux a parlé d'Olivia quand ils étaient là. À mon avis, ils se terrent dans l'ancienne base de l'armée de l'air. Encore une ancienne base ? Ok, on a une nouvelle quête. Monsieur Abernathy. Bonne chance contre les pillards. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Ok. Je peux récolter des pommates. Ok. J'aimais bien ma blague, hein, sur c'est des tomates à la pommade. Désolé. Putain, je suis plus grimpé des échelles. Bon, attends, il y avait d'autres gens ici. Par contre, c'est moi, ouais, ouais. C'est dommage, les gens s'affichent plus hein, sur la carte, les gens d'en haut. À moins que je rêve, mais normalement, c'est ça, là. C'est dommage. J'aimais bien, c'était plus simple. Là, c'est chaud, des fois, pour choper tout. Par contre, t'étais pas seul, il y avait quelqu'un avec toi, il est passé où ? Ah, parce que je veux causer. Moi, j'aime causer. Bonjour. Vous n'êtes pas du coin, si ? Si vous avez quelque chose d'intéressant à troquer, vous pouvez vous adresser à moi. Qu'est-ce que vous avez ? C'est pas grand-chose, mais j'ai quelques fournitures de base. Munitions, médicaments, enfin, ce genre de choses. Des munitions et des médicaments ? Ce sont des fournitures de base pour vous ? Eh oui, c'est le strict nécessaire si vous voulez survivre dans le coin. Alors, ça vous intéresse, oui ou non ? Ouais, bonne vas-y. Idée. Attends, c'est juste pour voir à quel prix c'est. Bon, ça, je m'en fous. Chapeau de tueur à gage. Chapeau de tueur à gage. Vas-y. Pommade. Ah, Alexa. Ok. Vas-y, oui. Bon, j'ai rien de nouveau ou... Putain, y a des chats là-dedans. Est-ce qu'il y a des trucs qui valent super cher ? Des os. Ok. Bon, ça, j'économise pour essayer de les réduire, on verra bien. Bref. Comment ça se passe, les affaires à Diamond City ? Bien, quand mon mari peut y aller. C'est-à-dire si personne n'attaque la ferme avant. Pourquoi vous croyez que je vends des munitions et des médicaments ?
si vous ne pouvez pas vous protéger vous-même. Le Commonwealth sera votre peau. C'est sympa. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Diamond City. C'est la plus grande ville du Commonwealth. Si vous cherchez quelque chose ou que vous avez besoin d'informations, c'est là-bas qu'il faut aller. Et comment ça va, la RNC? D'accord. Ah, comment ça va, la RNC? Parce que j'ai pas de nouvelles. On a besoin d'aide pour ramasser les melons. Si vous avez rien de mieux à faire, je vous donnerai des capsules en échange. Combien est-ce que tu paies? Oui, des capsules de bouteilles. On s'en sert comme argent, enfin, dans le Commonwealth en tout cas. Vous utilisez des capsules de bouteilles comme monnaie d'échange? Et les dollars, les cents? Ces vieux trucs, ça sert plus à grand chose maintenant. Sauf si vous avez besoin de papier pour vos toilettes. Combien est-ce que tu paies? 3 capsules par melon. C'est bien payé, croyez-moi. 5 capsules, ça vous va? Ça marche. Mais motus, hein. J'ai pas envie que ma mère me fasse encore la morale. Lucie? Je savais que vous nous aideriez. Bon, on va récolter les melons. Vas-y. Merci d'avoir accepté de nous aider. Faut que je les récolte jusqu'où? Bon, bref. Bon, on a fait ça. Ouais, c'est pas mal la petite famille, là. Bon, même si a priori, donc ils ont perdu quelqu'un. Bon! On va voir pour la quête. Représailles, moi ça m'intéresse. Dans la station Olivia de. Et elle est où cette station Olivia? Ah, mais c'est là où j'étais! Ouais, ok, d'accord. On peut y retourner. Non. Ouais. Enfin, c'est vrai, j'avais tué pas mal de pillards là-bas. Ouais, ouais, je sais, je suis censé faire des améliorations pour le niveau 10 là. Ouais, mais je les ferai quand j'aurai le niveau 11, vu que je vais pas tarder à l'avoir. Là, je continue un peu Fallout 4 et puis ensuite je reprendrai peut-être New Vegas. J'ai vu qu'il y a un mec qu'il faut qu'on rencontre dans la zone avec le gaz, mais avec les radiations. Mais pour ce faire, vous aurez compris qu'il va falloir que... Surveillez votre compteur GG. Vous avez compris que pour ça... Par contre, le temps, là... Mais donc, vous avez compris que pour ce faire, il faudra que... Attends. Ouais, je pense que c'est l'occasion. Attends, je veux juste faire un avec le chapeau. Voilà, bon, c'est bon, j'ai fait. Bon. Je vais peut-être mettre le truc de masque à gaz, voilà. Voilà. Oh, putain. Ouais. C'est vrai que c'est classe, ça. Ah ouais, ça ce sera, je le mettrai pour la prochaine miniature, s'il faut. Parce que ça, là, c'est classe. Jet, méca-essence. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, je le mettrai pour le prochain truc. S'il faut. Par contre, il y a des petits trucs, là, de radiation, là. C'est quoi, cette nouvelle météo de fou? Ça me plaît pas, tout ça. Ah, tu m'as suivi, pour une fois? Bon, là, je vais remettre juste le casque. Mais plus tard, comme j'ai dit, je ferai l'autre truc. Voilà, mais comme j'ai dit, pour une prochaine miniature, je le mettrai parce qu'avec ma tenue, ça fait classe. Il y a une tasse à café, il y a un... Impossible de pirater ça. C'est ça. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a chalumeau, on a nettoyant. Alors, ouais. J'ai un bulletin d'information pour vous. Si ça qui vous... Alors, lui. Alors, lui, normalement, pourra faire une quête qui pourra l'améliorer, ce personnage. Vous connaissez Covenant? J'ai hâte, hein. C'est une petite ville. Oui, vous voyez
quoi je parle. Y'a plus rien. T'en penses quoi? Eh bien... J'ai hâte, hein, parce que franchement, le mec, il me saoule. Y'a sûrement un terminal quelque part. Collier de chien, vas-y. Et la chienne. Voilà. Ça va pour le moment, j'utilise pas des Steam Packs. Je vais avoir une super réserve. Hein. Bon, on va essayer de s'habituer à ce mec. Hein. Pour faire avec. Le temps que. Vu que le mec il a Diamond City. Par contre, lui on pourra le rencontrer comme l'autre dans le troisième opus qu'on pouvait aussi rencontrer. Et contrairement à Monsieur New Vegas qu'on ne peut pas rencontrer. Dommage. Ouais. Mentat, ce psycho, voilà, comme ça la vieille elle va être contente quand on reviendra la voir. Bon, bah moi je vais rencontrer le gros, la femme et tout, hein, le truc qu'elle m'a dit aussi. Hein. Boum. Wesh. De quoi? Et je suis pas. Putain, la précision de malade. Eh, vas-y, accroupis. Paf. Ouais. Je suis trop badass. DCA, c'est quoi ce mec? C'est ton nom? Ah, toi Harley Quinn, parce que t'avais un look d'Harley Quinn. Ok. Steampack. Ouais, ça va. T'en fais pas. Minigun. Bon, je m'en fous. Quoique. Quoique, je peux peut-être le donner. Eh, Michel. Michel. Échangeons. Mes armes, minigun. Eh. Eh, on parle? Comment ça? Avis sur la situation, il y a rien. Tout va bien entre nous? Malgré toute ma puissance de calcul, je n'arrive pas à statuer sur la question, madame. Vous n'êtes plus celle que vous étiez il y a 200 ans. Sympa. Un avis sur la situation? Le serveur s'écrit. On ne sert pas les particules plus rapides que la lumière, ici. Un tachyon entre dans un café. Ok, ta gueule. C'était tout. Très bien. C'était pour me faire une vieille blague, là, de merde. Ta gueule, hein. Tu es gentil comme force, mais tu sais rien. Make any shit. Bonjour, toi. T'as pas l'air d'aller bien, Boris. Hein. Médaillon. Oh. Oh putain, ouais, on a le super truc. Ouais, il y en a un qui va être content. On s'en déverrouille. Ah, direct du premier coup. C'est bon. Oh putain, oh putain. Ouais, ta gueule. J'aurais pu lui foutre un coup, hein, je sais. C'est une petite munition quand même passée. Par contre, j'aime bien cette arme, elle est puissante. Et vas-y. Clé d'assain du renseignement. Ça ne veut rien dire ce que je fais. Elle est où la scène de renseignement? Je sais pas. C'était peut-être là. Aucune idée en fait. Night Rocket, 69 Rocket, Nanonan Maquette, la maquette, il faut un terminal.
Il y a beaucoup de gens qui sont morts hein, ici. Mini-bombe nucléaire, ça c'est génial. Secrète voilà. De l'OS. Ah, oh, vous avez reçu un numéro de manuel secret, vous êtes plus difficile à détecter alors c'est. Bonus permanent. Oh, biscuit. Nuke. Le nuke, ça fait du fric hein, quand on boit. Paquet de cigarettes. Parce que on le vaut bien. Waouh! Ça fait pas mal de choses, hein. Bon, alors, brosse à cheveux. Là. Oh, oh, mais il y a un coffre-fort en plus. What, attends, qu'est-ce que... Sac de voyage, ok. Allez, vas-y. Ok aussi, ouais, ouais. Pour une fois que je pète un épingle à cheveux. Eh, vas-y. Joli. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai en arme ? Que j'ai des trucs de merde. Arme de... Ouais, ça c'est quand même un truc de merde. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Brosse à cheveux de luxe. Ouh. J'hésite. Il y a des trucs que j'ai envie de jarter. Genre ça. Ou oh, pire. Je peux toujours te les donner. Alors. Alors, genre ça pour le moment. Genre ce truc pour le vendre. Genre ce truc aussi pour le vendre. Bon, bah maintenant on se casse. On a visité ce qu'on voulait visiter ici, hein. On va au Commonwealth! Parce que c'est Kalas! Est-ce qu'ils ont les couilles de nous faire un jour un opus qui se déroule en dehors des États-Unis? Parce que quand même, ça commence à faire chier. Il n'y a que les États-Unis qui ont survécu! Comme d'hab! Ah ouh, et t'as eu l'armure? J'ai même pas fait gaffe! Mmh. Si on m'avait dit qu'autant de poussière se serait accumulée en 200 ans. Mode disponible. Améliore la résistance aux dégâts. Ouh. Silencieux. Ok. Métal peint, ok. Voilà, c'est bon, je confectionnais un peu le truc. Mais regardez, c'est beau, j'ai amélioré mon armure. Bon, ça c'est fait, le temps s'est un peu calmé. Allez, on va retourner à l'autre truc. À la ferme des Walebadadati, hein. Souvent en prise pour des zombies, les ghouls sauvages sont en fait des humains totalement irradiés dont le pourrissement du cerveau a provoqué la folie. J'aime bien le truc. Ouais, il y en a certaines qui sont encore cool. J'espère qu'on en croisera parce que pour le moment on n'en a pas croisé. Skeeter Davis. Toujours du mal avec ce nom. Bonjour. C'est bien, toute la petite famille s'est réunie. Alors. J'ai retrouvé votre médaillon. Vraiment? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Connie ne va pas revenir. Quels que soient leurs besoins, les miliciens peuvent compter sur nous. On a un bon atelier et Connie vous fera toujours des ristournes après ce que vous avez fait. Vous connaissez Covenant? C'est une petite ville. Oui. On pourrait changer quelques trucs. Entendu. Elle est complètement désertée, apparemment. Ah ah. Donc maintenant, on a un nouveau truc ici. Comme ça. Donc je devine que voilà, il y a un atelier. Oh, bonjour le chat.
vraie explication. Un chat, putain, c'est tellement rare un chat. C'est vraiment arrivé. Je pensais qu'ils étaient tous morts dans ce truc. Mais non, les chats ils survivront. Comment dire ? C'est des chats. Massacrés par une bande de pillards, ce serait vraiment très triste. Ah, il y a deux, j'ai deux engrenages. J'ai deux engrenages, ça veut dire que je peux faire l'autre 4. Une chanson au titre. Voilà. Allez, vas-y, ouvre-moi le truc. Allez, putain, ouvre-moi. Oh, ok, il m'emmerde. On va aller à l'atelier direct. Non, parce que là, il m'en fait chier. Ça va, la tourelle? J'aurais dû te placer à de meilleurs endroits, mais bon. Allez, vas-y. Ressources. Non, c'est où? C'est électricité. Générateur, normalement, je peux... What? Comment ça j'ai qu'un engrenage? C'est pas les mêmes engrenages pour les tourelles et les trucs? What? Ah, ça veut dire qu'il y a des engrenages dans le truc. Attends, ok. Alors, elle m'a dit qu'elle me ferait des prix vu que j'ai fait des trucs pour Marie, là, voilà. C'est mieux. Marie était une gentille fille. Elle avait du tempérament. Est-ce qu'on a pu se disputer toutes les deux? Par contre, il y a un engrenage ici, forcément. Parce qu'ici, j'avais plus d'engrenages. Ou c'est que j'ai pas compris le truc, mais voilà. Ouais. Vous avez fait de votre mieux. Vous trouvez? Où est-ce que vous voyez un mieux dans un monde pareil? On connaissait les risques d'avoir des enfants à notre époque, mais ça nous a pas arrêtés. En tout cas, ça en valait vraiment la peine. Enfin, bref, j'arrête de vous ennuyer avec mes problèmes. Je suis sûr que vous en avez déjà suffisamment de votre côté. Comme je vous le disais, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. C'est pas tous les jours que quelqu'un nous aide comme vous l'avez fait. Ce serait parfait. Alors, troquer. Est-ce que tu as des engrenages? L'un d'entre vous doit avoir des engrenages. Vous voulez faire affaire, si j'ai bien compris? Échanger. J'ai juste besoin d'échanger de l'équipement. D'accord. Qui c'est qui a un engrenage? J'espère qu'il y a des engrenages. Si on sait que je me plante, mais je sais pas, alors qui c'est qui? Je veux juste faire un échange. Entendu. Si je trouve rien, bah tant pis. Je veux juste faire un échange. Et là, elle va se lever aussi. Ah non. Allez, grouille-toi, mamie. Hein. D'accord. Non, bon, tant pis. Tant pis, la cat attendra encore, et il y a des engrenages chelous. J'ai envie de construire une tourelle, là. Ah bah enfin. Ce truc, il marche à moitié. Voilà, j'ai construit une petite tourelle. Ouais, ouais, la petite teinte de tourelle sur le toit, là. Bah, tu te sens pas plus sûr avec ce truc? Bah, on est d'accord, hein, on se sent plus sûr, maintenant. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, bah, on va aller le découvrir. Bonjour, pompe à eau. Allez, vas-y. Allez, on pompe à eau. Là, attends, il y a deux trucs là. Je vais d'abord découvrir ça là-bas et puis après j'irai à cette usine là. C'est sympa le coin. Coin. C'est la cabane de qui cette fois-ci? C'est pas de garde forestier. Je crois que nous allons nous amuser. Paf! Voilà, je t'ai défoncé la gueule. Et oh! Voilà! Alors voilà, cuir en plastique. Glande, voilà.
Elle a les glandes. Je suis fier de ma blague. Voilà, je pense qu'on va aller à Diamond City, hein. J'ai aucune raison là. Ouais, d'aller à la ville principale. Ça, c'est pas trop. Si. Parce que dans l'autre, j'avais pas vraiment. Parce que dans l'autre, je dans New Vegas, je voulais attendre d'avoir Cassidy pour y aller, même si finalement, voilà. C'est mal barré pour le moment. Et là, j'ai aucune raison, surtout que j'ai pas de compagnon humain pour le moment. Ta gueule. Tu restes mort, le zombie. Ah, bah, il y a des trucs sympas. De l'antigel. C'est sympa aussi. Alors, j'ai un poste d'armure assisté, ok. Si ça vous intéresse. Si vous nous écoutez aussi. Évidemment. Alors, ça l'affaire. Vous connaissez okay. Covenant ? C'est une petite ville. Oui. Ok. Vous voyez de quoi je parle ? Oui. Eh bien, oui, je elle vois. Est complètement désertée, apparemment. C'est arrivé récemment. Fuite ! Comme ça, d'un seul coup. Ça le mec, tu sens bien le mec qui prend des médicaments pour pas se suicider, lui tu le sens toi aussi? Enfin, moi je le sens. C'est confirmé. J'espère qu'ils se sont pas fait. Bon, cette usine de merde, on s'en fout. Massacré par une bande de pillards, ce serait vraiment. Bon, Fortune City, c'est. Enfin, voilà, Diamond City, je veux dire. Confond. C'est là-bas. Hein. Terminé. Guad terminé. Ok. Comment ça, 58? Ouais, tout ça parce que j'ai mis une tourelle. Terminé. Ah, ça veut dire qu'on a vraiment tout. Okay. Il y a des indications maintenant. Terminé aussi. Terminé. Ok. Why not, hein? M'indiqué. Ah, là-bas, ils sont pas trop contents. Mais je les emmerde aussi, hein. Tiens, est-ce que mamie s'est reposée? Je sais pas. On y va tout de suite? Ouais, non, on va se promener un peu. On ira voir mamie hein, pour voir si elle a d'autres trucs à nous dire. Bon, qu'est-ce qu'on a là-bas? Moi, je vais faire le tour. Hein. Surtout que je vois déjà une icône. Ouais. Bon, normalement, je pense qu'on peut faire le tour. Bon, c'est bon, je suis épuisé. Ouais, des radiations. Youhou. Ah, les radiations me cassent encore plus les couilles. C'est à moi, Minus. J'arrête. Hein. Wow, c'était quoi ce truc? Je ne ressens pas la douleur. Voilà, parce que moi je suis comme ça. What? C'est ce que je me disais, j'ai reconnu une bouche, une mouche bouche. Une bouche mouffie. Oui, une bouche mouffie, vous connaissez pas. On peut dire que lui, il avait le feu au cul. Ok, désolé. Cartouche, Steampack. C'est trop gentil tous ces Steampack, hein. Or, je devine que c'est le truc là-bas qu'on voit. Le truc qui y a sur l'icône là. Est-ce qu'on peut péter du corbeau là? Ouais, on peut péter. Ce qui ne sert à rien. Ok. C'est juste pour savoir. Le mec. Oh ouais, baby. I told you the baby. Oh, oh yeah, all right, the baby. Why. Are you kidding me, all in a baby? What a baby, why baby, whoa.
Bon, j'ai pas de nouvelle quête. Non, c'est bon, ça y est. Ah bah l'eau propre, ça attendra aussi. Quoique, j'ai peut-être assez de trucs, on verra. Je ferai le passage un petit peu. Bonjour. Des gens? Parce que là, je commence à me poser des questions, hein.